Alors. On va peut-être pas faire toutes les questions. Parce qu'il y a vraiment des questions un peu bêtes, un peu faciles. Ou alors je donne les réponses vite fait, mais on les écrit pas, on n'écrit pas la rédaction. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout la question 3A, 3B. Alors je vais, on va vite fait parler de 1 et 2 très rapidement. Pour tout entier, donc on a ce graphe là, pour tout entier naturel n, on note xn, la variable aléatoire, égale au numéro du sommet occupé par la puce. Et puisqu'on part en 1, moralement, on sait que la probabilité de x0 égale 1, ça fait 1. Déterminer la loi de x1, bah soyons clairs, à cause du graphe qui est là, je vais très très vite, mais à cause du graphe qui est là, x1 de oméga, ça peut prendre que deux valeurs. Soit on reste en 1, soit on va en 3. Et la probabilité de rester en 1, d'après ce qui est marqué sur le graphe, c'est 2 tiers. La probabilité d'aller en 3, c'est 1 tiers. C'est tout ce qu'il faut dire. Calculer l'espérance et la variance de x1. Ça va aller, on ne va pas perdre du temps avec ça. Déterminer la loi de x2. Ah, la loi de x2, un tout petit peu plus intéressante. Ça dépend de ce qui s'est passé en x1. On peut être soit en 1, soit en 3. À partir de 3... on peut aller en 2 ou en 4. À partir de 1, on peut aller en 3 ou en 1. Donc moralement, à partir de x2, x2 de oméga, ça devient 1, 2, 3, 4. Pour faire la loi, il faudrait faire une formule des probabilités totales. C'est un tout petit peu plus long en calcul. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, c'est du calcul un peu terrible, enfin, c'est juste des 2 neuvièmes fois, enfin voilà, c'est du petit calcul, je vous assure que si vous prenez le temps, trouver la loi de x2, c'est pas très très dur. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est obtenir ce qu'ils font là, la loi de obtenir, en utilisant la formule des probabilités totales encore une fois, que la probabilité de xn plus 1 égale 1, c'est 2 tiers de la probabilité de xn égale 1 plus 1 demi de la probabilité de xn égale 2. Donc comme on a fait hier, c'est la même chose, on applique la FPT au SCE, c'est toujours le même, xn égale k appartenant à 1, 4, vu qu'on peut atteindre les 4 sommets différents, sur l'événement xn plus 1 égale 1. Donc ça nous fait, comme toujours, la probabilité de xn plus 1 égale 1, qui fait la somme pour k égale 1 à 4, des probabilités sachant xn égale k de xn plus 1 égale 1, fois la probabilité de xn égale k. Je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite qu'hier sur les probabilités conditionnelles. On va remonter sur le graphe et voir comment ça marche. Pour aller en 1, d'où peut-on venir? De 2 ou de 1, c'est les deux seuls choix qui s'offrent à nous pour aller en 1. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire deux choses ça. Puisqu'on ne peut venir que de 1 ou 2, ça veut dire que ça fait clairement 0 fois la probabilité de xn égale 3. On ne peut pas provenir de 3. Plus 0 fois la probabilité de xn égale 4. Ensuite, si on était en xn égale 2, la probabilité qui est là devant, c'est donc la probabilité, sachant qu'on est en xn égale 2, d'aller en xn plus 1 égale 1. Donc là-dedans, on est tous d'accord que c'est la probabilité de prendre cette flèche bleue là. Si on part de xn égale 2 pour aller en xn plus 1 égale 1, donc le nombre qui est là, c'est 1 demi. Et la probabilité qui est devant, qui est celle de faire xn égale 1 pour aller en xn plus 1 égale 1, pardon, c'est A. C'est on part de xn égale 1 et la probabilité d'y arriver dans ce cas-là, c'était 2 tiers dans le graphe qui est là-haut. C'était une flèche rouge. Alors, j'ai même pas vérifié, là, j'ai juste vérifié les données de mon sujet. Et si je regarde la probabilité qu'il me demande de montrer, bah, j'ai exactement obtenu ce qu'il valait. Est-ce que ça va sur comment on obtient ces formules de propagation, entre guillemets? Ok. Ça veut dire... voilà pour la question 3. La question 3B, qui est la plus intéressante pour moi et la plus importante,
c'est exprimer de même pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 les probabilités de xn plus 1 égale 2, xn plus 1 égale 3, xn plus 1 égale 4 en fonction des 4 autres. C'est encore la formule des probabilités totales, on répète les choses de la même façon. Donc je vais juste me permettre de faire deux choses, je vais écrire de la même façon que pour la question précédente. Par FPT sur le SCE X et Xn égale K, K appartenant à 1, 4. Je ne vais pas repréciser l'événement parce que là je vais faire tous mes événements d'un coup. Je vais essayer de recopier mon graphe parce que c'est vraiment bien d'avoir le graphe en visuel à tout moment. Arriver à le réduire un tout petit peu. C'est pas mal ça. Hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me compléter du coup, de la même façon que j'ai fait au-dessus, l'événement probabilité de xn plus 1 égale 2. Bassiste. Oui, on ne peut pas venir de 1, tout à fait. Parfait. Oui, on prend la flèche bleu ciel qui est là. On prend la flèche bleu ciel qui est ici, mais c'est exactement ça, probabilité de xn égale 3. Parfait. Est-ce que ça va à tout le monde, le raisonnement qui a été mené pour trouver comment on fait? En gros, l'idée, c'est pour aller... En gros, pour aller à l'état 2, quelle flèche je peux prendre pour aller à l'état 2? Bah, je peux prendre la flèche noire qui vient de 4 et je peux prendre la flèche bleu ciel qui vient de 3. Ce qui veut dire que la probabilité pour aller de 3 vers 4, c'est un tiers. Un demi, pardon. La probabilité pour aller de 4 vers 2, c'est un tiers. Et les deux autres probas valent 0. De la même façon qu'on a ça, on a la probabilité de xn plus 1 égale 3. Donc, pour aller en 3... J'ai un tiers de chance de venir de 1 plus un demi de venir de 2. Et j'ai bientôt fini. La probabilité de xn plus 1 égale 4. Il y a une flèche avec un 1/2 qui provient de 3 et une flèche avec un 2 tiers qui provient de 4. Est-ce que ça va à tout le monde ces deux trucs-là? Alors c'est là où le sujet, puisque c'est pas au programme, c'était à aucun programme avant les chaînes de Markov, on peut faire ce qu'on veut avant. C'est-à-dire qu'on peut partir dans plein de directions, et comme là c'est un sujet de voix techno mais de l'ESCP, donc un peu leur meilleur type de sujet qu'ils ont, ils ont fait vraiment un choix un peu tordu. Et ils vont pas bosser dans le reste du sujet, on le verra après, ils vont pas bosser avec des matrices 4-4, mais ils ont choisi de bosser avec des matrices 3-3. Alors comment c'est possible et comment on peut réduire la matrice d'une matrice 4-4 à une matrice 3-3, on verra ça après. Mais puisque j'ai maintenant mes 4 probas, je pourrais écrire si je pose U, je vais l'appeler YN, tiens. Si je pose YN qui serait le vecteur probabilité de XN égale 1, probabilité de XN égale 2, probabilité de XN égale 3, probabilité de XN égale 4. Si je fais ça... J'ai clairement yn plus 1, qui est donc le vecteur probabilité de xn plus 1 égale 1, jusqu'à probabilité de xn plus 1 égale 4. Ça, je vais pouvoir l'écrire comme une certaine matrice fixe, fois justement le vecteur colonne probabilité de xn égale 1, jusqu'à probabilité de xn égale 4. Si je reprends, par exemple, je remonte un petit peu au tableau pour voir l'alignement. J'avais du 2 tiers en 1 et du 1/2 en 2 pour cette FPT là. Ce qui veut dire que ma première ligne, c'est 2 tiers, 1/2, 0, 0.
La deuxième ligne, à cause de la formule qui est ici, pour pouvoir écrire un truc sur la deuxième ligne, donc sur la probabilité de xn plus 1 égale 2, j'aurai du 0, 0, 1 demi, 1 tiers. Pour la troisième ligne qui correspondrait à cet FPT-là, j'aurai clairement du 1 tiers, 1 demi, 0, 0. Et pour la, la dernière FPT qui serait là, j'aurai du 0, 0, 1 demi, 2 tiers. Oui. Bien entendu. Alors c'est juste parce que les matrices à fractions c'est pas terrible, je vais mettre un sixième en facteur, ce qui permet de mettre là-dedans du 4, du 3, 0, 0, 0, 0, je multiplie par 3, donc 3, 2, 2, 3, 0, 0, 3, 4. Voilà ce que c'est. Et donc ceci, fois bien sûr le vecteur yn derrière. Ceci, si vous avez compris ce qu'on a dit hier, ceci c'est ce qu'on appelle la matrice de transition de la chaîne de Markov. Et donc ce qu'il faudrait faire, ce qui n'est pas fait dans le sujet, on va plutôt repartir dans le sujet, mais je vais quand même perdre 5-10 minutes à vous faire des choses là-dessus, parce que ça va être assez intéressant de comprendre que la théorie marche même par rapport au reste du sujet qu'on va faire. C'est que, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire maintenant? Bah, pour pouvoir avoir yn, on peut clairement écrire que yn, ça va être, si je note ça a, tout ça, tout ceci a, bah yn, ce serait a puissance n, y0 par récurrence. Et donc ce qui nous resterait à calculer, c'est A puissance N. Et le calcul de A puissance N, il se ferait clairement à partir de la recherche des valeurs propres, qui vous est guidé hein, dans tous les sujets, vous n'avez pas à savoir la faire de façon générale vous-même. C'est à partir de la recherche des valeurs propres. Et ensuite, on voudrait aussi trouver la limite de yn pour avoir le fameux état stable dont on a parlé, qui est un peu... Quelle est la proba limite? Comment ça bouge ces probas-là quand on passe à la limite? Alors ça, c'est un peu plus facile à faire ici et c'est pas trop trop dur et on peut le faire. Parce que j'en ai parlé et ça fait un peu partie du nouveau cours qui est en maths appliquées. Je vous l'ai dit, pour qu'il y ait un état stable, pour qu'il y ait une valeur limite, faut qu'à la limite, quand je passe là-dedans, entre guillemets, j'ai une relation du type, puisque la relation c'est yn plus 1 qui fait ayn. Si ça, ça a une limite que je peux même noter y infini, à la limite, quand n tend vers plus l'infini, je dois avoir une relation du type y infini est égal à a fois y infini. Ce qui veut dire pour y que y infini est un vecteur propre associé. Alors un vecteur propre, en général, je mets VP avec une flèche, associé à la valeur propre. Quelle valeur propre ? 1, vu qu'il n'y a pas de constante, c'est que c'est une fois la constante ici. Donc ce qu'on peut faire, et pour essayer de faire avant même le reste du sujet et de comprendre vers quoi nous emmène le reste du sujet, c'est je peux essayer de trouver l'espace propre associé à la valeur propre 1. Voir s'il y a une loi limite, il doit y en avoir une. Et quelle va être cette loi limite? Bah allons-y. Je vais, c'est pas du tout demandé dans le sujet, c'est moi qui fais un truc en plus. Mais... Je vais mettre une question supplémentaire. Déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Ah, ça va nous faire une recherche, une recherche de noyau et un noyau aussi dur que celui que vous avez eu au concours blanc. Au concours blanc, j'avoue qu'il n'était pas si simple que ça, ces noyaux, parce que c'est normal.
En gros, on va tomber sur un seul vecteur, ce qui veut dire que c'est, en fait, la matrice est de rang 3, qu'on va avoir enlevé une fois l'identité. Comme elle est de rang 3, il n'y a qu'une seule équation qui se simplifie avec le reste, ce qui veut dire qu'il y a 3 pivots à faire pour simplifier tous les calculs. Donc si vous vous trempez au milieu de vos 3 pivots, rien ne marche. Donc comme il y a 3 pivots, il faut se poser calmement et pas faire d'erreur. Donc allons-y. On va donc chercher le noyau de A moins 1 fois I4, ce qui est le noyau de 1 sixième de la matrice. Alors je l'ai plus là, je vais la 4, 3. Donc c'est du 4, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 4. Je ne me suis pas trompé, c'est bien 3, 4, ouais. J'ai bon, j'ai la matrice. C'est 1 sixième de ça moins I4. J'ai absolument pas envie de traîner des fractions. Qu'est-ce que je peux faire? Samy? Par quoi? Alors ça a deux façons de le voir, on peut le voir comme ça, c'est que ça on peut le voir comme care de 1 sixième, je recopie pas ma matrice, et ce qu'on peut voir c'est que ça c'est du moins 6 sur 6 I4, maintenant je peux factoriser par 1 sixième, enfin, oula, pardon, excusez-moi, care de 1 sixième de, et il me reste ma matrice, moins 6 I4 si je fais ça. Et 1 sixième de quelque chose égal à 0, ça fait le quelque chose est égal à 0. Donc ça revient à refaire le noyau de la matrice 4, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 4, moins 6, 6, 6, 6, 0, 6, 6, 6, et 0, 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 0. Ça revient à faire ça. Que vous le fassiez là ou que vous le fassiez une fois que vous avez posé vos systèmes, mais pour pas avoir de fractions, vous multipliez par 6, c'est juste j'essaye de vous simplifier un tout petit peu la vie. Donc ce qu'on cherche, c'est le noyau de la matrice moins 2, 3, 0, 0, 0, moins 6, 3, 2, 2, 3, moins 6, 0, et 0, 0, 3, moins 2. Bah maintenant j'y vais. Hein. X, Y, Z, T appartient à care de A moins I4. C'est équivalent en termes de système à moins 2X plus 3Y égale 0. Moins 6Y plus 3Z plus 2T est égal à 0. 2X plus 3Y moins 6z égale 0. Et la dernière équation, c'est 3z moins 2t est égal à 0. Bah, il faut faire des pivots, il n'y a pas trop le choix. Je pense pas qu'il y en ait de bons et de mauvais. Faire un pivot en moins 2x ici, ce qui fait que j'ai qu'à faire un pivot que sur la ligne 3. Si je fais un pivot sur la ligne 3, ça va me faire du moins 2x plus 3y égale à 0. Je vais me retrouver avec du moins 6y plus 3z plus 2t est égal à 0. Bah clairement, pour faire mon pivot à la ligne d'en dessous, je vais devoir faire juste la somme des deux lignes. Si je fais la somme des deux lignes, ça va me faire du 6y moins 6z est égal à 0. Et en dessous du 3z moins 2t. Ah, je suis trop au bord. Est égal à 0. Quel pivot vous prenez maintenant? Moi je pense que je prends clairement celui-là comme pivot. Ce qui fait que je reste là-haut avec du moins 2x plus 3y égale 0. Ensuite je vais recoller du 6y moins 6z est égal à 0. Et clairement mon seul pivot que j'ai à faire, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est encore faire la somme de ces deux lignes? Il n'y a rien d'autre à faire.
Donc la somme de ces deux lignes, ça a mené à du moins 3z plus 2t est égal à 0. Et je recopie la dernière ligne qui est 3z moins 2t est égal à 0. On se retrouve clairement ici, si je fais le moindre pivot, on est bien d'accord. Si je fais un pivot là-dessus, je me retrouve qu'avec 3 lettres, enfin 3 lignes. Donc maintenant, il faut que je choisisse mon pivot. Là maintenant, c'est un choix. En général, puisqu'on a fait les calculs triangulairement, il vaut mieux prendre la variable par rapport à laquelle je vais tout exprimer dans la dernière équation. Normalement, ça va être plus simple à remonter. Donc soit je choisis z comme variable, soit je choisis t. Personnellement, je préfère utiliser t comme variable pour tout exprimer. Z pour une seule raison. Parce que dans ce cas-là, je vais diviser par 2 mes calculs au lieu de par 3. Et donc, je vais avoir des coefficients plus grands que des coefficients plus petits. Ça devrait m'amener moins de fractions. C'est juste dans l'idée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire tout en bas que t, ça vaut... Bah, si je passe de l'autre côté, ça vaut du 3 demi de z, si je fais équilibre ma dernière équation. Au-dessus, je vais clairement avoir y qui vaut z, si je fais ça. Et au-dessus, je vais avoir x qui va valoir 3 demi de y. Donc, s'il vaut 3 demi de y, il vaut 3... Pardon. S'il vaut 3 demi de y, il vaut 3 demi de z. Donc, ce qui me permet d'écrire, au final. Donc, et c'est cette ligne-là qu'il faut que vous appreniez en termes de rédaction pour qu'on puisse rien vous dire. Que notre vecteur x, y, z, t appartient à ker de a moins i4, c'est équivalent à dire qu'il s'écrit 3 demi de z, 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 3 demi de z. Ce qui fait du z fois le vecteur 3 demi 1 1 3 demi. Et ça appartient à vect 2 3 demi 1 1 3 demi. Cette ligne là, elle doit être maîtrisée. Oui. Ça, on vous le demande pas. Moi, je vous conseille de le faire pour que vous compreniez combien vous avez de paramètres, combien vous avez d'équations, combien vous avez de vecteurs dans votre vect. Mais du moment que vous le comprenez et que vous maîtrisez ce que vous faites, c'est pas, on va pas vous embêter avec ça. De ça, on peut donc conclure, mais je me permets de gagner une étape. J'ai pas envie de conserver des fractions dans mon vect. Pour ne pas conserver de fraction dans mon vec, j'ai le droit de multiplier toutes mes coordonnées dans mon vec, vu que j'ai tous les multiples, par 2. Ce qui me donne le vecteur 3, 2, 2, 3. Alors à quoi ça sert? Ça veut dire que pour que j'ai un vecteur propre associé à la valeur propre 1, ça doit être un multiple de ceci. Donc ce n'était pas une question du sujet. Quelle est la loi stable? De la loi de proba stable de ma chaîne de Markov. Ça peut pas être le vecteur 3, 2, 2, 3. C'est pas une loi de probabilité. Mais c'est quoi la loi stable? Puisque pour être un vecteur propre associé à la valeur propre 1, et donc pour être la limite, il faut être un multiple de ça, comment je peux trouver que c'est c'est quel multiple et quel est le bon multiple? Qu'est-ce qui différencie n'importe quel vecteur de ce noyau d'une loi de proba? Si je veux faire le lien entre ça et le représentant de ça qui serait y infini, qui devrait être la probabilité entre guillemets de x infini égale 1, probabilité de x infini égale 2, probabilité de x infini égale 3 et probabilité de x infini égale 4. Je sais juste que y infini est... C'est k fois 3, 2, 2, 3. Comment je trouve k? K ou tard? Alors justement, pour moi, ça ne me va pas. Il n'est pas compris entre 0 et 1 exclu. Justement, parce que je suis désolé, si tu divises par 1,
Si tu multiplies par 1, j'ai que la proba de x infini égale 1, elle fait 3. Avoir une proba de 3, c'est un peu compliqué. C'est même pas exclu le 1, il faut absolument que le nombre k soit plus grand que 3. Si le nombre k n'est pas supérieur ou égal à 3, tous les nombres qui vont être dans le vecteur vont être plus grands que 1 et ne pourraient pas être des probabilités. Qu'est-ce qui assure qu'on va avoir des probabilités? Il faut que tous les nombres dans le vecteur soient positifs, ça tombe bien, donc la constante k, elle va clairement être positive, oui. Et il faut quoi encore, k ou tard? Les valeurs propres, on l'a déjà utilisé, c'est pour ça qu'on a trouvé ces coordonnées 3, 2, 2, 3. Samy? La somme des probas doit faire 1. Donc, puisqu'il est multiple de 3, 2, 2, 3, il faut que 3 fois k plus 2 fois k plus 2 fois k plus 3 fois k, ça fasse 1. Ce qui vous donne juste, en fait, il faut faire la somme des coordonnées. La somme des coordonnées, ça fait 10, enfin, ça fait 1 dixième du coup pour k. Donc notre loi limite, c'est pas ce que faisait le sujet, on va voir ce que va faire le sujet. Mais au bout du sujet, on devrait trouver que notre loi limite y infini, c'est 3 dixièmes, 2 dixièmes, 2 dixièmes et 3 dixièmes. Et ça a du sens vis-à-vis de ce qu'on a expliqué hier en toute fin d'heure. Je remonte sur le graphe. Le graphe, on a dit, ce graphe n'est absolument pas symétrique en les quatre sommets. Par contre, clairement, les sommets 1 et 4 jouent des rôles symétriques et les sommets 2 et 3 jouent des rôles symétriques. Donc il faudra obtenir la même proba pour 2 et 3 et la même proba pour 1 et 4, mais on ne connaissait pas ces nombres. Bah, regardez ce qu'on a trouvé juste en faisant des calculs de valeurs propres et de vecteurs propres et en sommant à 1. On trouve 3 dixièmes pour 1 et 4 et 2 dixièmes, 2 dixièmes pour 2 et 3, ce qui est cohérent avec ce qu'on avait remarqué. Donc si ça avait été un exo de chaîne de Markov type maths appliquée, voilà ce qu'ils auraient fait. Alors c'est pour ça que je vous ai mis ce sujet-là aussi. C'est pour vous montrer que pour vous, on peut même vous faire ça en faisant des choses un peu différentes. Le vrai sujet, il part pas du tout sur les matrices 4-4, il part sur des matrices 3-3. Et toutes les équations changent et bah, y a d'autres calculs à faire. Donc on va les faire et on va reprendre le sujet comme il était. Donc on admet qu'on a notre question 3B qui est faite. Je ne vais pas faire 3C, mais on va faire clairement faire D et 4. Enfin, on va pas faire D, mais on va s'en servir. Vérifier que les relations précédentes, donc les relations qu'on a trouvées pour les quatre formules de probabilité totale, sont encore valables pour n égale 1 et n égale 0. Il faut juste injecter les valeurs et voir que ça marche. Que vaut pour tout n appartenant à n la somme probabilité de xn égale 1 plus probabilité de xn égale 2 plus probabilité de xn égale 3 plus probabilité de xn égale 4? Ça vaut 1 si vous voulez un argument pour répondre. C'est parce que le support de xn, c'est un 4. Parce que xn de oméga pour, enfin pour k variant de 1 à 4, c'est un SCE. Enfin, il y a plein de façons de le dire. Ok. Et là, maintenant, regardez ce qu'ils font. Au lieu de prendre moi ce que je vous ai appelé yn, qui était le vecteur probabilité de xn égale 1, probabilité de xn égale 2, probabilité de xn égale 3, probabilité de xn égale 4, ils ne prennent, eux, que les trois premières probas. Et ils vont essayer d'obtenir une relation de récurrence sur les trois premières probas. Comment ils peuvent enlever une variable? Pourquoi on n'a pas besoin des quatre variables? Et que dans aucun sujet, même si je vous ferai un sujet à 5 sommets, un sujet à 3 sommets, on n'a pas forcément besoin d'utiliser des matrices 5-5 ou des matrices 4-4 ou 3-3. Pourquoi on va pouvoir enlever une variable ici? Pourquoi on n'a pas besoin des quatre variables? Probabilité de faire 1, probabilité de faire 2, probabilité de faire 3, probabilité de faire 4. Louis? Même plus qu'une combinaison linéaire, oui. Bah, on peut récupérer la proba de faire 4, cas ou tard.
3 autres, on passe au complémentaire, on a la probabilité de faire 4. Donc, à tout moment, quand on vous fait un truc d'une certaine taille, on peut diminuer de 1 la taille parce que la somme de toutes les probas fait 1. C'est ce qu'ils choisissent de faire dans ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on va uniquement travailler avec les probabilités de xn égale 1, xn égale 2, xn égale 3. Et donc, ils vous demandent de, en utilisant les relations trouvées précédemment, établir la relation un plus 1 est égal à aun plus b, avec a qui vaut ça et b qui vaut ceci. Bon, bah moi je vais le faire, on peut le faire à partir des relations, on peut le faire à partir de tout. Je vais le faire proprement, ça. Je pars de un plus 1. Ça vaut donc la probabilité de xn plus 1 égale 1, probabilité de xn plus 1 égale 2, probabilité de xn plus 1 égale 3. Je repars de mes trois relations tombées plus haut. Probabilité, je dois remonter et redescendre à chaque fois, je suis désolé, probabilité de xn égale 1. 2 tiers, 1 demi, 0, 0. Deux tiers de probabilité de xn égale 1, plus 1 demi de la probabilité de xn égale 2, et je ne mets pas le reste. Enfin, je vais mettre plus 0 si vous voulez, mais voilà. La probabilité de xn plus 1 égale 2. 1 demi de faire 3 et 1 tiers de faire 4. 1 demi de la probabilité de xn égale 3 plus... J'ai dit... Non, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. C'est 1 tiers. Pour le moment, je recopie ça. Et dernier, j'ai fini. Et j'aurais pu la recopier après. Un demi, un tiers, et là c'est du 1 tiers, 1 demi en 1, 2. 1 tiers, 1 demi. Ok. Alors là c'est le problème, c'est que ça s'exprime pas en fonction de la probabilité de xn égale 1, xn égale 2, xn égale 3 à cause de ce terme-là. Donc ce terme-là maintenant, je réutilise entre guillemets, c'était la question 3D là. Enfin, la somme des probas qui est égale à 1. Comme la somme des probas fait 1, ça, je peux le réécrire 2 tiers de la probabilité de xn égale 1, plus 1 demi de la probabilité de xn égale 2 là-haut, et en dessous, 1 demi de la probabilité de xn égale 3, plus 1 tiers de 1 moins la probabilité de xn égale 1, moins la proba de xn égale 2, moins la proba de... xn égale 3. Et en dessous, j'ai 1 tiers de la proba de xn égale 1 plus 1 demi de la proba de xn égale 2. Dernière ligne de simplification et après on pourra remplir la matrice. Ça me fait encore du 2 tiers. Juste pour gagner un tout petit peu en notation, je note P1 pour la probabilité de xn égale 1. Et je mets P2 ici pour gagner un tout petit peu en simplicité de notation, ça vous va ? En dessous, bah, je vais me retrouver avec moins 1 tiers de P1, vu que j'ai qu'un seul terme en probabilité de xn égale 1, c'est le terme rouge ici. Des termes en xn égale 2, j'en ai un seul qui va me donner du moins 1 tiers de P2. Attention, des termes en xn égale 3, j'en ai deux qui vont se mélanger, j'ai du 1 demi moins 1 tiers. Bah, je vais l'écrire comme ça, 1 demi moins 1 tiers de P3. Et ensuite, il y a un truc un peu bizarre qui traîne. Il y a ce calcul-là qui traîne. Il y a un plus un tiers qui traîne dans mes calculs. Qui dépend ni de P1, ni de P2, ni de P3. Et en dessous, j'ai du 1 tiers de P1 plus 1 demi de P2. Bon, bah ça, je peux clairement le réécrire une matrice fixe facteur du vecteur P1, P2, P3. Mais derrière, il y a un bout sur lequel je vais rien pouvoir faire, c'est ce bout-là. Donc derrière, je vais avoir un terme fixe qui va être 0, 1 tiers, 0. Et donc le reste, ça va me faire du 2 tiers, 1 demi, 0, du moins 1 tiers, moins 1 tiers, pardon. Et 1 demi moins 1 tiers, ça me fait du 3 sixièmes moins 2 sixièmes, ça me fait du 1 sixième. Et en dessous, ça me fait du 1 tiers, 1 demi, 0.
Donc ça, ce que ça fait, si je mets 1 sixième en facteur, ça me fait du 1 sixième facteur de 4, 3, 0, moins 2, moins 2, 1, 2, 3, 0, facteur de ce qui s'appelle un dans le sujet, plus ceci. Et donc ça, ça s'écrit bien a un plus b. Avec A, c'est tout ceci avec le sixième, et B, ça c'est B. Et on a bien obtenu, je vais vérifier là-haut, hein, mais on a bien exactement obtenu ce que voulait le sujet. Alors B, excusez-moi, B, ils se permettent de l'écrire, j'aurais pu le réécrire comme ça, je vais me permettre de l'effacer, de le réécrire. B, ils le réécrivent. Un tiers de 0, 1, 0. Mais sinon, on a exactement fait ce que fait le sujet. Donc, ils ont descendu d'un cran les tailles des matrices, sauf que la relation qu'on obtient au final, c'est celle-là. Alors, certes, c'est matriciel. Mais c'est quoi comme relation sur une suite, ça? Ouais, c'est une suite arithmético-géométrique, mais avec des matrices. On n'en a jamais fait des suites arithmético-géométriques avec des matrices. Mais on sait gérer les suites arithmético-géométriques. Comment on trouve l'expression d'une suite arithmético-géométrique? On résout l'équation aux limites et on sait que un moins sa limite est une suite géométrique et on obtient l'expression à partir de ça. Ça vous rappelle des choses ce truc-là sur les suites arithmético-géométriques? Regardons la suite du sujet. Que fait la suite du sujet? Déterminer une matrice L à trois lignes et une colonne, vérifiant L est égal à AL plus B. Ils sont en train de nous faire résoudre l'équation aux limites sans nous le faire dire. Alors ça, par contre, on n'a pas l'habitude de le faire. C'est vraiment une question très technique de sujet que vous ne reverrez jamais, enfin pas trop ailleurs. Donc faut le faire. Alors, j'ai pas mené les calculs. D'après vous, sur quoi on va tomber? Sans faire les calculs. Si l'équation aux limites, c'est que c'est la limite de un. Je remonte dans ce que je vous ai expliqué ici. On doit tomber, si nos calculs marchent bien, on va tomber sur 3 dixièmes de dixièmes de dixièmes. On va vérifier, hein, je vais être clair, hein, j'ai pas fait les calculs, je sais pas si ça fait ça. Mais normalement, on doit tomber sur 3 dixièmes de dixièmes de dixièmes. Bah, allons-y. Donc L, donc je vais poser L, c'est x, y, z. L égale à L plus B, ça revient à écrire X est égal à 1 sixième. La matrice A, elle est où? Oh, elle est là-haut, je vais devoir... Y, ça doit faire... Moins 2x moins 2y plus z plus un tiers. Et là, la matrice, je ne l'ai pas pour la dernière ligne, c'est 2, 3, 0. Je me suis pas planté pour... Non, c'est parce que c'est dissymétrique le problème. Comment je continue à résoudre mon système? Clairement, moi je fais quelque chose, sinon j'ai peur que vous en sortiez pas. Ah
avant même de faire des pivots, vos équations elles sont même pas équilibrées, toutes les variables sont même pas du même côté. Bah oui, on va multiplier par 6 pour enlever ces sixièmes quand même. Ça fait 6x qui fait 4x plus 3y. Ça fait 6y qui fait moins 2x. Moins 2y plus z plus 2. Et ça fait 6z qui vaut 2x plus 3y. Et maintenant, on va peut-être tout passer du même côté et faire des pivots. Ouais. Si je passe tout du même côté, ça me fait 4x plus 3y. Non, je vais faire n'importe quoi là-haut. Ça me fait 2x moins 3y est égal à 0. Ça me fait 2x plus 4y moins z égale 2. Oui. Ah oui, j'ai été trop vite. Plus 8y égale 2. Et 2x plus 3y moins 6z égale 0. Je peux faire un magnifique pivot en 2x. Il va me faire du 5y. Non, je fais moins. Ça va me faire du 11y moins z égale 2. Pardon. Et si je fais encore ça, bah, je vais me retrouver avec du 6y moins 6z égale 0. Oui. Non, j'ai tout passé à gauche. Non, non, mais tu fais bien, vaut mieux qu'on vérifie à plusieurs les calculs pour pas perdre trop de temps. Mais tiens, je vais finir comme ça, ça ira plus vite pour gagner un peu de temps. Ça, ça fait x qui fait 3 demi de y. Tout en bas, ça fait y égale z. Et si y égale z, ça fait 10y égale 2. Donc moralement, ça fait bien y égale 2 dixièmes, z égale 2 dixièmes et x est égal à 3 dixièmes. On a exactement obtenu ce qu'on avait eu dans la LOT méthode. Donc ça marche de la même façon. Question 5b. Établir que un, c'est a puissance n, u0 moins l plus l. Alors là, comme il vous donne la formule, comme il vous donne clairement la formule, vous embêtez pas. La meilleure façon et la façon la plus rapide de faire ça, c'est de passer par récurrence. Vous faites une récurrence sur la propriété pn qui vous donne et vous prouvez ça par récurrence. Oui. Avec la non-commutativité du produit matriciel, il faut faire un petit peu les calculs pour être sûr qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Je ne vais pas le faire par récurrence, vous savez faire une récurrence. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais dire je pose Vn qui vaut un moins l. On a un plus 1 qui est égal à aun plus b. Donc Vn plus 1 qui vaut un plus 1 moins l qui vaut aun plus b à cause de cette relation là moins, et ça c'est aussi du al plus b à cause de l'équation qu'on vient de résoudre qui était l'équation 5a. Donc ceci ça me fait du a facteur de un moins l, ça me fait du a fois vn. Et maintenant, je viens bien de prouver que Vn est une suite géométrique matricielle. Je vous rappelle que c'est pas du tout au programme et que ça, c'est un peu limite quand ça passe. Mais normalement, ça passe si c'est bien fait. Notamment la ligne qui fait que vous aurez tous les points ou zéro, c'est ce que vous allez écrire derrière. Si vous écrivez ça, vous avez 0. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a 0? Ça, c'est une matrice à 3 lignes, une colonne. Ça, c'est une matrice à 3 lignes, une colonne. Donc ça, forcément, c'est une matrice à 3 lignes, une colonne. Je suis en train de multiplier une matrice 3, 1
avec une matrice 3-3. Ça ne marche pas. Quand on fait une suite géométrique matricielle, et c'est pour ça que je veux pas que vous utilisez ça et que je préférerais que vous fassiez une récurrence, mais au moins ça vous permet d'aller vite et de comprendre comment ça marche. Il faut absolument que vous mettiez le vecteur qui multiplie la matrice après la matrice. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on n'a absolument pas le droit d'écrire ça. Ce qu'on doit écrire, c'est AN fois V0 dans ce sens-là. Et là, les produits matriciels marchent bien dans le bon sens. Donc, si VN, ça fait AN V0, ça revient à dire, et on a fini, que UN moins L, ça fait A puissance N V0, ce qui est équivalent à écrire que UN, ça fait A puissance N V0 plus L, et V0, bah c'était V0 ici, c'est U0 moins L, donc ça fait bien du U0 moins L plus L. Et on a bien exactement la formule du sujet. Oui, Samy. Bah, c'est ce que j'ai fait ici en calcul, ça prend ces deux lignes-là de calcul. Mais faut les connaître. Ça me dérange absolument pas, vu que c'est du cours les suites arithmético-géométriques, que vous me dites directement que UN-L est une suite géométrique de raison A. Là, matriciellement, non, parce que c'est pas du cours. Mais si c'était des réels, vous avez le droit instantanément de dire UN-L est une suite géométrique de raison A. Ça vous fait gagner du temps, mais je pense que ça se limite là pour rééquilibrer les calculs, pour pas apprendre la formule par cœur. Parce que est-ce que c'est du L moins U0, est-ce que c'est du plus L, est-ce que c'est du moins L, ça c'est apprendre cette formule-là par cœur, c'est se planter. Alors que juste apprendre UN moins sa limite est une suite géométrique, les quelques petites lignes finales que j'ai fait là en bas de la dernière page, ça c'est utile pour pas dire de bêtises. Si vous n'êtes pas sûr de votre formule. Vous avez même le droit, comme c'est du cours, de dire c'est une suite arithmético-géométrique, voilà la formule. C'est juste que dans ce cas-là, ne vous trompez pas sur la formule. Maintenant, si on veut avoir UN, il n'y a plus le choix, il faut calculer A puissance N. Alors là, c'est un peu moins intéressant, je sais pas si je le fais. Comme c'est de la voie techno, et qu'ils sont un peu nuls en polynôme et tout ça. Ils font un truc classique de voie techno et que moi j'aime pas trop. On leur donne, on pose 6, C égale 6A déjà pour être sûr de pas qu'ils se plantent avec le sixième. Sinon ça risque de poser problème, mais c'est pas ça. Ce qui est classique, c'est de faire ça. On vous donne 3 matrices. R. D. Oh tiens, D, une matrice diagonale. Et on va essayer de prouver bizarrement que A puissance N, c'est un sixième puissance N, R, D puissance N, R moins 1. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de leur faire faire une recherche de vecteurs propres et de valeurs propres, sauf que les valeurs propres, elles sont écrites. Enfin, les vecteurs propres, ils sont ici, mais au lieu de leur faire dire, on leur remplit directement la matrice. Ce que je vous ai fait en tout début d'année. Enfin non, je vous ai quand même cherché les noyaux. Mais moralement, quand je vous disais remplissez la matrice et que vous compreniez pas trop pourquoi on la remplissait comme ça, c'est ce qu'on fait. Sauf que là, et c'est ça que j'aime pas trop, c'est qu'ils rajoutent la surcouche que j'aime pas en sujet de voie techno, ce que vous avez eu à votre premier DS de matrice parce que on venait à peine de voir les inverses et j'avais peur que vous sachiez pas inverser une matrice. C'est pour ça que je vous avais mis un sujet de voie techno. C'est que pour trouver le R-1 qui est là, bah bizarrement, ils introduisent une matrice Q. Et il vous demande, calculer le produit RQ. Je me demande bien ce que cela va faire. Alors d'après vous, c'est pas vrai, mais c'est presque vrai. Ça fait quoi RQ? Alors vous devriez tomber sur I3. Alors en fait, vous ne tombez pas sur I3, parce que ils ont défini Q comme ça. Parce que en fait, dans les calculs d'inverse, c'est pour ça qu'ils ne les ont pas fait faire. À cause du vecteur limite qui est avec des dixièmes, il y a des facteurs un dixième qui apparaissent partout dans les calculs. Donc ça, ça fait pas I3, je vous le dis. Si vous faites les calculs, ça fait 10 I3. Donc en fait, la matrice R-1,
c'est la matrice 1 dixième de Q. Et donc ils vous ont mis Q, la matrice entière, et il y a le coefficient dixième qui n'est pas géré dans les calculs. Donc on va admettre, pour gagner du temps, mais je vous assure que les calculs marchent, on admet la question que A puissance N, c'est 1 sixième puissance N, R fois D puissance N, fois 1 dixième de Q. Et donc maintenant, ce qui reste à faire comme calcul pour finir les calculs, c'est on admet que la limite de la matrice UN lorsque N tend vers plus l'infini est une matrice U dont tous les coefficients sont obtenus en prenant les limites des coefficients de UN. Déterminer U et déterminer la limite quand N de la probabilité de xn égale 4. Bon, bah, je vais être clair. La seule chose qui dépend de N là-dedans, c'est D puissance N, on est bien d'accord. Donc A puissance N, en fait, c'est R fois 1 sixième de D à la puissance N fois 1 dixième de Q. La matrice D, elle est donnée dans le sujet. Si j'utilise 1 sixième de D, ça fait 1 sixième en premier coefficient. Ça fait moins 1 tiers en deuxième coefficient. Et le troisième coefficient, ça fait 1 demi. Donc clairement ça fait, puisque c'est une matrice diagonale, 1 sixième puissance n, moins 1 tiers puissance n, 1 demi puissance n. Et ça, je le multiplie par 1 dixième de Q. Ça tend vers quoi, ça, quand n tend vers plus l'infini? La matrice du milieu, déjà. Ça tend vers la matrice nulle. La matrice nulle que je vais aller multiplier par R et par 1 dixième de Q. Je vais obtenir quoi comme matrice limite pour la limite de A puissance N? 0, la matrice nulle. Donc forcément, puisque UN, ça vaut A, U, c'est, pardon, A puissance N, U0 moins L plus L, puisque ceci, ça tend vers 0, UN, ça tend bien quand N tend vers plus l'infini, vers L. Et on a bien retrouvé ce qu'on avait fait, nous, avec la recherche de vecteurs propres et d'états stables que je vous ai parlé tout à l'heure en termes de chaîne de Markov. Ça vous va sur ce que sont des vrais sujets pour vous de ces trucs-là? Ça peut encore vraiment vous tomber, c'est des vrais sujets. On peut choisir de vous faire tomber sur un sujet là-dessus. Je vais être clair avec vous, j'y crois pas trop pour vous. Ils peuvent déjà aller en donner plein aux maths appliquées avant d'aller vous embêter avec ça. Mais ça nous permet de réviser des puissances de matrices et ce genre de choses-là, et les suites arithmético-géométriques, qui sont des trucs qui peuvent clairement vous tomber dessus par contre. Voyons ce que donne ce type de sujet maintenant dans un vrai sujet maths appliqué, vu que je sais plus si c'est écrit comme ou si c'est EM Lyon, mais ils ont proposé un exo comme ça parmi leurs exos. C'est l'EM Lyon. On considère trois points distincts du plan ABC. Le but de l'exercice est d'étudier le déplacement aléatoire d'un pion qui se déplace sur ces trois points. Bon, forcément, j'ai pas trop suivi les débats sur maths appliquées, mais puisque j'ai dû lire le programme de maths appliquées pour vous faire ce chapitre, je peux vous dire que là, j'ai déjà envie de m'énerver envers le concepteur du sujet, parce qu'il est marqué dans le programme de maths appliquées qu'on notera les sommets des graphes par des numéros 1, 2, 3, 4, etc. Et on commence à 1. Donc déjà, le concepteur, il commence par, on les note, ABC. Je m'en fous. Mais voilà. Donc on a trois sommets, A, B, C. Un peu plus facile que ce que... Bon, déjà, j'ai fait des flèches, fallait pas, parce que je sais même pas s'il est orienté ou pas, je m'en rappelle plus. Le but de l'exercice est d'étudier le déplacement aléatoire d'un pion, ce déplacement sur ces trois points.
À l'étape 0, on suppose que le pion se trouve en A. Ensuite, le mouvement aléatoire du pion respecte les deux règles suivantes. Le mouvement du pion à l'étape de l'étape N à l'étape S plus 1 ne dépend que de la position du pion à l'étape N. Il ne dépend donc pas de la position occupée par les autres étapes précédentes. Oui, en gros, c'est bien une chaîne de Markov. Les fameuses probas n'évoluent pas au cours du temps. C'est des probas fixes. On note pour tout N l'événement... Ah non, pardon, c'est là. On suppose que le pion a une chance sur deux de rester sur place, sinon il se déplace de manière équiprobable vers l'un des deux autres points. Donc il y a, pour chaque point, il y a une probabilité de rester là. Et on vous dit la probabilité, il y a une chance sur deux d'aller ici. Premier point où il ne faut pas se planter, c'est quoi le poids des flèches entre les branches ici? Ouais, c'est du 1 quart. La moitié de ce qui reste, ça fait du 1 quart ici. On a le graphe. Soyons clairs, maintenant que vous venez de comprendre ce magnifique chapitre, quelle est la donnée la loi limite? Moi, je la connais. Mon graphe, est-ce qu'il a une dissymétrie quelconque? C'est parfaitement symétrique en ces trois points. La loi limite, s'il y en a une, et si on fait les calculs jusqu'à aller à la loi limite, la probabilité d'être en A, c'est 1 tiers, la probabilité d'être en B, c'est 1 tiers, et la probabilité d'être en C, c'est 1 tiers. Si vous avez déjà compris ça, c'est que vous pouvez aller casser du math appliqué maintenant. Donc il décide, on note à N l'événement, le position étant à l'étape N, BN à l'étape blabla, CN, on est en C. Ah, il note VN, la ligne PN, QN, RN, donc ils vont faire des calculs matriciels en ligne, ce qui peut changer à chaque fois, je vous l'ai dit. Le énième état de cette chaîne de Markov. Première question du sujet, et là c'est là où tout change. Représenter la situation par un graphe probabiliste, ah bah c'est déjà fait, et expliquer pourquoi la matrice de transition est celle-ci. Bon bah... On fait une formule des probas totales propre et on dit qu'on la réapplique deux autres fois et on remplit la matrice et on fait ça. On applique la FPT. Tiens, il n'y a pas de variable aléatoire dans ce problème. C'est quoi mon SCE? Pas xn égale k, il n'y a pas de variable xn. On s'en fout de préciser le SCE. Oui, vous allez-y, foutez-vous-en. Bah, ils ont décidé de ne pas définir de variable aléatoire. Ils font ça avec des événements. Vous savez, xn égale k, c'est un événement. Donc le SCE, c'est une famille d'événements. Il suffit de trouver une famille d'événements qui recouvre toutes les possibilités. Mais il n'y a pas de xn. ABC, c'est les points. À la énième étape, il est sur le point A ou B ou C. Ça, c'est un SCE. Et ça s'écrit dans le sujet, les événements. AN, BN, CN. Donc... On applique la FPT au SCE AN, BN, CN pour les événements. Bah, les événements associés, c'est AN plus 1, BN plus 1 et CN plus 1. La probabilité de AN plus 1, ça fait la somme, je vais pas l'écrire en somme vu qu'il n'y a pas, c'est la probabilité sachant qu'on vient de AN, de AN plus 1, fois la probabilité de AN, plus la probabilité sachant qu'on vient de BN, de AN plus 1, fois la probabilité de BN, plus la probabilité qu'on vient de CN, de AN plus 1,
fois la probabilité de Cn. Ce nombre-là, d'après les notations du sujet, la première proba, celle-là, c'est Pn plus 1, qui fut... c'était 1 demi de rester sur place, Pn, plus 1 quart de Qn, plus 1 quart de... C'est Rn le troisième ? PQR ? Ouais. Je fais de même pour aller un peu plus vite. La probabilité de Bn plus 1 qui vaut Qn plus 1, ça va être... Pardon. 1 quart de Pn plus 1 demi de Qn plus 1 quart de Rn. On a 1 demi de là où on vient comme ça. Et Rn plus 1, ça va faire 1 quart de Pn plus 1 quart de Qn plus 1 demi de Rn. Donc, Pn plus 1, Qn plus 1, Rn plus 1. Je vais un tout petit peu vite là-dedans. Ça me fait clairement la matrice que multiplie Pn, Qn, Rn. Et la matrice, c'est 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 demi. Et eux, ils veulent quoi? Je vais même pas regarder le sujet. Ils veulent 1 quart de... Voilà, ok. Bon, bah ça, c'est bien 1 quart. De 2, 1, 1, 1, 2, 1. Et ceci est la matrice de transition. Tiens, je vous ai fait un petit topo hier pour vous dire qu'il y a un type de matrice particulière qui tombe assez souvent dans les sujets qui s'appelle les matrices circulantes. Ceci est encore une matrice circulante. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse un topo, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire dans les sujets sur les matrices circulantes. Ok. Bon, bah maintenant, quel va être le reste du sujet? Bah ça va être diagonaliser cette matrice et faire des calculs sur cette matrice. On est encore et toujours à la même chose. On va peut-être en faire certaines, mais pas tout. Déterminer les probabilités de P0, Q0, R0, Q1, P1, Q1, R1. Et ensuite, ça qui me fait rire, c'est que comme nous, c'est pas du cours, je vous ai fait démontrer cette relation-là, en fait. Ce que je viens d'écrire, si je la transpose, cette relation-là, vu qu'eux, ils utilisent Vn, qui est le vecteur Pn, le vecteur ligne Pn, Qn, Rn, si je transpose cette relation-là, j'obtiens bien la relation Vn plus 1 qui fait Vn fois m. Donc en fait, je l'ai écrit en colonne, mais on a déjà prouvé la relation Vn plus 1 égale Vn m. Je pense qu'ils attendent du coup d'un sujet de maths appliquée que vous balanciez la matrice de transition sans même faire les calculs. Mais du coup, s'ils vous attendent que vous fassiez la matrice de transition sans faire les calculs, il y a un moment pour avoir la relation de récurrence, il faudra bien faire les calculs. Donc ça n'apporte strictement rien. En déduire que pour tout n, Vn c'est V0 fois m puissance n, on va pas le faire, c'est qu'une récurrence. Donc tout ça, je le fais pas. Voilà ce qui nous intéresse plus, nous. Surtout la question 3 et 4 qui vont nous intéresser, c'est juste pour vous montrer comment c'est posé, mais après, il n'y a pas grand chose là-dedans. Hein. Alors, je vous ai pas enlevé les questions, je l'ai recopié de brut, hein, ce sujet-là. Vous ne savez pas répondre à la première question de la partie 2. Vous ne savez pas pourquoi cette matrice est diagonalisable. Diagonalisable, c'est-à-dire qu'il existe une base dans laquelle elle est diagonale.
Vous le saurez l'année prochaine, c'est parce que vous apprendrez que toute matrice réelle symétrique est diagonalisable. Et cette matrice, elle est symétrique. Donc ça, vous l'apprendrez l'année prochaine, mais c'est du cours. Alors ça n'empêche pas que c'est absolument pas constructif comme résultat, parce que ça vous donne rien sur les valeurs propres et les vecteurs propres, et que c'est quoi la diagonale dans la bonne base. On n'a rien appris en disant ça, mais on le sait. Oui, Kautar. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu comme le sujet qu'on a fait hier en cours. Ce serait plutôt d'essayer de la décomposer comme ça, cette matrice. Cette matrice, on peut la voir comme la matrice qui aurait que des 1, plus la matrice identité. Et comme hier, on pourrait calculer ses puissances comme ça. C'est ce que ne choisit pas de faire ce sujet. Alors, comment ils vont aller justifier les calculs? Ben, ils vous demandent de calculer a carré moins 5 fois l'identité. Bon, maman, moralement, soyons clairs, c'est pour trouver un polynôme annulateur. Est-ce que je sais le faire de tête, ce calcul? Alors, il y a somme des VP, c'est 6, il y a 1 comme valeur propre. Il y a 2, donc il y a 4. Alors si je triche et que j'utilise ce que je sais sur les matrices circulantes, je pense que ça fait moins 4 fois l'identité. Alors comment je fais? Alors il y a plein de... Bah tiens, je vais pas suivre le sujet encore une fois, on va faire un petit cours sur les matrices circulantes. Il y a un truc qui marche bien avec les matrices circulantes, notamment celles-ci. Celles qui sont de la forme A, 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 B, 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 B. Il y a un type de enfin même plus que ça, il y a un type de matrice circulante qui est très 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 facile à gérer. C'est les matrices circulantes qui sont comme ça. Une matrice circulante qui est comme ça, je connais deux de ses valeurs propres. Enfin, je connais deux de ses valeurs propres. Plutôt, je connais une valeur propre et je sais qu'il y a deux vecteurs propres associés à cette valeur propre là. C'est quoi le rang de cette matrice que je viens de vous écrire? Pour B non nul. Le rang de cette matrice, c'est clairement 1. Si elle est de rang 1, son noyau, il est de dimension 2. Si son noyau, il est de dimension 2, ça veut dire que 0 est valeur propre d'ordre 2. Donc dès qu'une matrice a qu'une seule colonne, c'est très facile de gérer une de ses valeurs propres. Celle-ci, c'est donc aussi très facile de la gérer. Puisque chercher une valeur propre, ça revient à faire... si celle-là, je l'appelle A, si quand je cherche une valeur propre, je fais A moins lambda fois I3, je vais me retrouver avec ça. A moins lambda B, 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 A moins lambda B, 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 A moins lambda. Et là, je vais vous dire quelque chose, c'est que je connais une valeur de A moins lambda où je sais trouver des valeurs propres à cette racine. Si je pose exactement par analogie à ce que je viens de vous expliquer, si je pose A moins lambda qui vaut B, à ce moment-là, ma matrice devient de rang 1 et elle possède deux valeurs propres qui s'annulent. C'est le même principe ici et c'est ce que je vais faire dans mon exemple. Comment je peux appliquer ce que je viens de vous expliquer ici? Et notamment en plus, c'est une chaîne de Markov. Donc je sais que 1 va être valeur propre et il faut que je trouve les vecteurs propres associés. Ma matrice M... Donc, enfin, je vais déjà me concentrer sur la matrice qui est là. Si je lui enlève une fois l'identité à cette matrice, j'obtiens la matrice 1, 1, 1, 1. Donc, j'obtiens que le rang, c'est le rang de M moins 6 fois l'identité. Parce que la M, il y avait du 1 sixième. Hein. Ou le rang de 6M moins l'identité. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Le rang de 6M moins l'identité, ça fait 1. Ce qui implique que la dimension de Kerr de 6M moins l'identité,
c'est 2. Ce qui implique que 1 et valeur propre, ça c'était la matrice A je pense, et 6m donc ça vaut A. A et valeur propre 1 et valeur propre de 1 d'ordre 2. Alors l'ordre vous l'avez pas vu, mais en gros il y a deux vecteurs propres associés à 1. S'il y a deux fois le vecteur propre associé à 1, vous l'apprendrez l'année prochaine. Trouvez la dernière valeur propre quand vous en avez 2 sur 3, c'est très facile. On a vu un outil qui s'appelle la trace. On l'a déjà vu dans des exos. La trace, c'est la somme des coefficients diagonaux. Ici, la somme des coefficients diagonaux, ça fait 6. La trace de A, elle fait 6. Sauf que si je change de base, la trace, elle ne change pas. Et si ma matrice est diagonale, dans une base diagonale, la trace, c'est la somme des valeurs propres. Donc en fait, la trace, c'est aussi lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 avec mes 3 valeurs propres. Je viens de dire que 1 était valeur propre d'ordre 1, 1 était valeur propre d'ordre 2 en fait. Donc forcément, ma dernière valeur propre, elle vaut 4 pour que ça marche ma formule. Donc maintenant, je sais que si j'ai un polynôme annulateur de degré 2 et que je veux trouver mes valeurs propres via mon polynôme annulateur, ses racines, ça doit être x moins 1 facteur de x moins 4. Donc si je le développe, ce polynôme annulateur, ça va faire x carré moins 5x plus 4. Ce qui veut dire que si je calcule a carré moins 5 fois a, ça fait moins 4 fois i3. Oui, j'ai un peu triché pour trouver le polynôme annulateur, mais j'avais pas le courage de les calculer à carré moins 5 fois. Est-ce que ça vous va pour qu'on admette que les valeurs propres possibles sont 4 et 1 du coup? Déterminer du coup une matrice inversible P ainsi qu'une matrice diagonale D de M3 de R telle que A s'écrit A, P, D, P-1, on calculera la matrice P-1. Il leur force à calculer la matrice inverse. C'est lourd. Hein. Et surtout que là, c'est complètement libre de l'ordre dans lequel vous mettez vos vecteurs propres et votre valeur propre. Si vous vous rappelez du DM, je ne sais plus combien, 7 ou 8 que je vous avais fait, vous étiez complètement libre de l'ordre de vos valeurs propres, de vos matrices inverses et tout, ils les ont laissés libres de faire ça. Ce sujet, je vous dis, j'espère ne jamais corriger un truc pareil. C'est une horreur. Je le fais pour vous, j'ai pas envie de le faire le jour d'un sujet de concours. On l'a fait plus ou moins il y a 2 ans à l'EDEC parce qu'il y avait des dérivés partiels de fonctions à plusieurs variables qui étaient faites. Et il a été décidé dans le barème que si les dérivées premières étaient fausses, on acceptait toutes les dérivées secondes qui étaient correctes à partir des dérivées premières fausses. Ce qui voulait dire que nous, on devait se retaper tous les calculs de dérivées à chaque fois qu'un élève faisait une faute en première dérivée. Et il était long à corriger cet exo-là. Il était très 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 long à corriger. Enfin bon, donc c'est horrible ce genre de choses à corriger. Donc là, ils font ça. J'ai pas envie de faire les calculs, est-ce que ça vous va? Vous avez compris la méthode, il faudrait faire ce qu'on fait d'habitude, trouver les vecteurs propres, les ranger dans une matrice colonne P. Et là, ils vous demandent de calculer P-1, c'est horrible. Oui, Athénaïs. À cause de ce que je viens de dire là, est-ce que tu es d'accord que si j'enlève une fois l'identité à ma matrice, je tombe sur ceci, où j'ai C1, C2, C3 qui sont exactement les mêmes? Je rappelle que le rang d'une matrice, c'est aussi le rang de la famille de vecteurs. Or, comme C1, C2, C3 sont exactement les mêmes, ça c'est... Enfin, je dis le rang de la famille de vecteurs. Excusez-moi, j'utilise pas le bon vocabulaire à vouloir aller vite. Le rang d'une matrice, c'est la dimension de la famille de vecteurs. Donc c'est la dimension, puisque les trois vecteurs sont les mêmes, est-ce que tu es d'accord que c'est la même chose qu'écrire vec de C1 ici? Donc clairement, ça c'est un espace vectoriel de dimension 1. Puisque le rang de la matrice C1, j'ai peut-être été un peu vite ici, par théorème du rang. Je sais que la dimension de E, c'est la dimension de Kerr de M, enfin de Kerr de A moins l'identité, plus le rang. Ah! Bon, j'ai un peu de mal à écrire en bord, mais c'est rang de A moins I que j'ai écrit. Puisqu'on a des matrices 3-3, l'espace vectoriel dans lequel c'est R3, ou M3 1 2R si on veut. Donc l'espace ambiant c'est 3. Le rang de la matrice c'est 1. Donc clairement, la dimension du noyau
c'est 2. Donc ce que j'ai, c'est que c'est la dimension de Ker de A moins l'identité qui vaut 2. Et ceci, c'est bien l'espace propre associé à la valeur propre 1. Je n'ai pas été déterminer une base de cet espace. Mais je sais que cet espace va s'écrire vec de U1, U2 avec deux vecteurs à trouver. J'ai pas fait les calculs de U1 et U2, mais je sais que c'est ça. Donc je sais qu'en fait, si j'essaye de diagonaliser, j'ai deux vecteurs propres associés à cette valeur propre là. Donc en gros, mon 1 va se retrouver deux fois sur la diagonale. Je sais juste ça. D'ailleurs, si vous voulez faire les calculs, je vous laisserai les faire, mais clairement, vu de ce qui est là, puisque j'ai C1 qui vaut C3 et que j'ai C1 qui vaut C2, je vous garantis que les vecteurs propres que vous allez trouver, c'est 1 moins 1, 0 et 1, 0 moins 1. Deux têtes. Il faut le prouver. Mais ça marche comme ça. J'ai pas fait le recherche du noyau pour moins 4 fois l'identité. Je peux le faire vite fait, mais celui-là, il est un peu plus dur en général. Ker de A moins 4 fois l'identité, ça fait la matrice. Moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1. Non, ça va, c'est facile. Je triche parce que je connais. C'est une matrice circulante facile. Ker de 1 moins 4 fois l'identité, je vous assure, si vous faites les calculs, que c'est vec de 1, 1, 1. Donc, votre fameuse matrice P, c'est la matrice 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 1, 1, 1. Elle est peut-être facile à inverser au final. Mais imaginez que vous plantez au moindre des calculs qui arrivent. Bah, je sais pas comment ils font pour vous mettre des points. Donc, je m'évite tous ces calculs-là. Et on arrive bizarrement à obtenir après calcul que la matrice Mn Ah, ils me font rire parce que leur exo sert à rien du coup, mais c'est pas grave. Ils vous font calculer ici avec des calculs horribles la matrice An avec An qui est celle-ci. Avec A qui est celle-ci. La matrice M, c'est un quart de A. Et donc toute cette étape-là de la question d'avant ne sert à rien. Parce que maintenant, il pose comme question, montrer que m puissance n, c'est ça. Alors oui, vous pouvez passer par le fait que m puissance n, c'est 1 quart de a puissance n, c'est-à-dire 1 quart puissance n fois a puissance n, et utiliser que ça, c'est du p d puissance n p moins 1. Mais ce calcul-là, il est super long. Puisque vous avez la matrice m et qu'on vous donne la réponse, comment vous pouvez répondre à cette question en zappant complètement la diagonalisation de la matrice A? Ouais, par récurrence. Vous partez de M, vous supposez la propriété V, vous montrez que c'est vrai au rang 1 et au rang... même pas au rang 0, vous voyez que ça fait l'identité au rang 0 et vous voyez que ça se propage par récurrence. Ça suffit largement. Donc c'est pas une question très très maligne. Ils font déduire que Pn ça vaut un tiers de tout ça. Et déterminer alors une expression de Qn et de Rn. Bon, j'ai même pas envie de m'embêter avec ça. Juste une chose, ça tend vers quoi ça quand... Mince. Ça tend vers quoi ceci?